Ça fait pleurer quoi, la musique. Lorsque tu as battu, il faut écouter ce genre de musique comme ça. Ça va te fortifier. C'est pas évident. Hein? Nous qui marchons par la foi et non par la vue. Donc, c'est pas facile. Depuis matin, c'est ce que j'écoute seulement.
J'en ai besoin souvent. Amen, 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 amen. Bon. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. J'ai cru que ça allait continuer, donc j'attendais. Ok. Ok. Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Vous savez, moi, cette musique-là, ça me fait du bien. Ça me fait vraiment du bien parce que c'est pas facile, c'est pas du tout facile. C'est pas facile, et ce qui est sûr, Dieu il est avec nous. Et en tout cas, que le Saint-Esprit m'aide à dire ce que je dois dire. Merci pour toi, mon Jésus. Amen. Il y a les gens qui marchent par la vue et nous marchons par la foi. Les gens qui marchent par la vue, ben, ils souhaitent. Moi, quand je les vois, je sais pas, je pense qu'ils attendent que, ben, ils voient l'échec, mon échec, et puis ils vont être heureux. Oui, souvent, c'est ce que je me dis. Parce que souvent, lorsque la personne, c'est leur croyance, quoi. C'est leur croyance, et quelqu'un qui marche par la vue ne peut pas voir ce que tu as vu. Ce que tu as entendu, ce que moi j'ai vu, ce que j'ai entendu. Si jusqu'aujourd'hui, je continue de faire confiance à Dieu, si je continue de faire confiance à Dieu, ben, personne ne pourra me décourager parce que je sais ce que j'ai vu. Je sais ce qu'il a fait pour moi, je sais ce que j'ai entendu. Et je continue, quoi. Mais le chemin n'est pas facile parce que Dieu, il est invisible. Ce sont des choses spirituelles. Et en tant qu'un être humain, on n'est pas habitué aux on n'est pas vraiment habitué aux choses spirituelles. Mais en même temps, Dieu nous aide. Dieu nous aide à nous forcer à le connaître. Et le chemin n'est pas facile.
Le chemin n'est pas du tout facile parce que nous avons notre façon de voir, notre façon d'agir, notre façon de faire qui n'ont rien à voir avec la façon de Dieu. Donc, cette semaine, par exemple, j'ai un peu, est-ce que je vais dire, j'ai un peu souffert un peu. Donc, parce que y a ce que Dieu veut et il y a ce que je veux. Et il y a ce que j'entends de Dieu et il y a ce que Dieu m'a dit de faire. Donc, Dieu m'a tracé un chemin. En tout cas, ce n'était pas mon message, mais je vais aller là-bas. Dieu m'a tracé un chemin. Il me dit, il m'a montré, il m'a tout dit. Chantal, si tu as besoin de ça, passe par ici. Si tu as besoin de quoi que ce soit, prends ce chemin-là. Et c'est pas parce que je ne veux pas, mais je dois obéir. Et bon, je sais pas si je dois dire tout ça là. C'est un peu compliqué. Mais je vais tout faire parce que vous savez, c'est pas l'être humain et Dieu là, c'est pas facile, ok? Mais si Dieu t'a dit de faire quelque chose, il faut faire. Il faut obéir. Et puis, lorsqu'on décide, ce que j'ai remarqué chez Dieu, lorsqu'il nous montre un chemin, lorsqu'il nous dit fais ça là, et lorsque on décide de prendre le chemin, ça devient facile. Ça devient facile et on a la chose facilement. Mais quand on résiste là, Dieu a tracé un chemin qu'il a là. Il dit, vas-y, tu veux quelque chose, il a ouvert une porte, tu veux quelque chose, prends ici, vas-y, c'est ici là, tu dois prendre. Et moi, je n'ai pas envie, quoi. C'est ça qui rend la chose difficile. Je ne veux pas, bon, je ne voulais pas que ça soit comme ça. Vous comprenez? Alors que je dois me soumettre. Je dois seulement me soumettre pour que ça devienne facile. Et c'est ça. Je vais faire un effort pour faire ce que Dieu demande. Et c'est ça, quoi. Donc, financièrement, bon, je passe à un autre message. Financièrement, si tu es par terre, excusez-moi. C'est comme si j'allais rôter et puis ben, ça ne vient pas. Donc financièrement, si tu es par terre, tu es écrasé, tu es tombé, écoute ceci. Financièrement, ok? Moi, je vous ai dit, ben, Dieu m'a vraiment fait grâce. Et il y a des choses, en tout cas, le nouveau de finance, là, je maîtrise ça très, très bien. Je maîtrise, je vous dis. Il vous suffit de mettre en application, de pratiquer ce que je dis. Financièrement, si ça ne va pas, c'est parce que Dieu, vous ne mettez pas Dieu en premier, c'est tout. C'est parce que vous ne mettez pas Dieu en premier. J'ai fait deux vidéos hier, mais après, quand je suis rentrée à la maison, parce que je l'ai fait au Pâques, quand je suis rentrée à la maison, j'ai oublié et c'est aujourd'hui j'ai posté la vidéo. C'est aujourd'hui j'ai publié les deux vidéos. Donc hier quand je faisais la vidéo et je parlais de, je disais ben je sais pas comment, je sais pas pourquoi je faisais cette chose parce que la chose tu fais quelque chose et puis ton argent s'en va. Tu fais quelque chose et puis tu perds ton argent et tu continues de faire la même chose. Ça veut dire que tu répètes les mêmes choses. Donc quand j'ai fini de faire la vidéo, et alors Dieu il a commencé à m'aider. Okay? Il m'avait montré la chose auparavant, mais c'est quelque chose que je ne parle pas de ça souvent. Donc lorsque je fais les vidéos de ce genre, souvent j'oublie ce qu'il m'a montré. Donc il m'a encore rappelé. Il m'a encore rappelé pourquoi lorsque je perdais de l'argent,
Et je n'arrêtais pas de faire la même chose. Il m'a montré. C'est comme lorsque vous ne mettez pas Dieu en premier. OK? Lorsque vous recevez de l'argent, vous ne prenez pas pour glorifier Dieu, vous ne prenez pas votre finance pour adorer Dieu, vous ne respectez pas vos dîmes. Avant, ben, je ne connaissais même pas ça. Donc, c'est comme il y a une punition. C'est comme il y a une. Oui, la Bible nous dit la malédiction, OK, dans Malachie. C'est comme il y a une punition qui pèse sur vous. C'est comme il y a une malédiction. J'espère que j'ai dit malédiction. Hein? Non. J'espère. C'est comme s'il y a une malédiction qui pèse sur vous et vous êtes en train de répéter la chose que vous faites. Vous perdez de l'argent, mais quand même, vous continuez de faire les mêmes bêtises. C'est une malédiction qu'elle a. Tu as fait quelque chose, tu as perdu de l'argent. Quand je suis en train de parler tout de suite, là, je me suis rappelé d'une personne. Je pense que quand elle va écouter la vidéo, là, elle va savoir que c'est elle. Tu perds de l'argent, tu as déjà perdu de l'argent. C'est comme moi. Le temps que je faisais des choses là, je perds. Si j'ai perdu 6 000 dollars, ce n'est pas 2 000, c'est pas. Je perdais beaucoup d'argent, mais je n'arrêtais pas de faire ces bêtises-là, ces mêmes conneries. Donc, c'est comme une punition qui est là. C'est comme une malédiction qui est là. Une malédiction parce que on n'a pas mis Dieu en premier parce qu'on n'a pas considéré Dieu. Donc, il y a une malédiction qui pèse sur nous. C'est pour cela, vous savez, quand j'enseigne au sujet de l'argent, au sujet des finances, j'ai dit il y a des sommes qui doivent revenir à Dieu et il y a les sommes qu'on peut dépenser, il y a les sommes qu'on ne peut pas dépenser. Donc, les sommes qui revenaient à Dieu, là, c'est ce que je prenais pour aider les gens et je perdais tout. Lorsque je perds de l'argent, 5 000, 6 000, 2 000, 3 000, l'année suivante, je continue de faire les mêmes bêtises. C'est une malédiction qu'elle a. OK? Pour briser ça, essayez de mettre Dieu en premier. Quand vous recevez des grosses sommes, enlevez pour Dieu dedans. Et cette malédiction va vous quitter. Vous comprenez? Il y a une malédiction qui pèse sur nous. C'est dit dans Malachie, au fait. Donc, quand j'ai fini de faire la vidéo hier, et je ne comprenais pas, je disais, mais j'ai perdu de l'argent, mais je continuais de faire et je faisais la même chose et je continue de perdre de l'argent. Quand j'ai fini la vidéo, Dieu m'a rappelé que c'est parce que je ne le mettais pas en premier. C'est pour cela, il y a des choses qui pèse sur nous, il y a des choses qu'on fait, on ne se rend pas compte, on fait des bêtises, on continue dans les bêtises, on va de bêtise en bêtise. Donc, si tu as compris ce que j'ai dit aujourd'hui, essayez de mettre Dieu en premier. Faisons la volonté de Dieu, c'est pour notre bien au fait. Donc, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Ceux qui sont en train d'attendre ma chute, là, ils vont avoir honte. C'est moi, je vous dis. Vous qui attendez que j'échoue, là, vous allez avoir tous honte. Parce que je sais en qui j'ai cru. Dieu, il est réel. Ce que je dis, ce que j'enseigne, mes vidéos, là, ce n'est pas des faux trucs. Ce n'est pas faux ce que je dis. Jour et nuit, je viens, je parle. C'est pas du faux qui est là, hein. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui m'inspire. C'est lui. J'ai cru en lui. On va terminer avec la musique là. Ça me plaît trop. On va terminer avec la musique là. Vous allez comprendre les paroles. J'ai cru en quelque chose qui est vrai. J'ai cru au vrai Dieu. Donc souvent, je veux me confier à quelqu'un, mais tu peux pas te confier à quelqu'un qui n'a pas cru en toi. Vous comprenez? Donc souvent ça fait mal, mais je ne suis pas seule. Je vais me confier à mon Dieu.
quand tu traverses les choses comme ça, là, tu vas le traverser dans la douleur, dans la souffrance. Mais tu n'es pas seul. Dieu est là. Dieu, il est là. Donc, j'aime tellement cette musique-là. On va terminer à écouter ça. Si vous entendez ma chute, là. Si vous entendez ma chute, on dirait que j'ai enlevé la musique là. Hein? Si vous entendez ma chute là. Ok? Attendez, je vais mettre. Je pense que j'ai appuyé un bouton là. Si vous attendez mon échec pour pouvoir rire, se moquer de moi là, vous allez pleurer. Parce que je suis en train d'aller de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction, de succès en succès. J'espère que ça, c'est pas ça ici. On va écouter encore. Écoutez, ça, c'est ma vie, ça. C'est ce qu'elle est en train de dire, là. C'est ce que je suis en train de vivre. Je marche par la foi et non par la vue. Je ne suis pas sûre. Dieu, il est là. Il approuve ce que je fais. Vous comprenez? Il approuve ça même. Donc, ceux qui attendent ma chute là, vous allez durer. Oh, Jésus est Seigneur. Je suis dans la chambre donc. C'est un peu. Continuez à croire en Jésus-Christ, il est Seigneur. Continuez avec votre foi. Ne regardez pas à gauche ni à droite. Laissez les gens se moquer là. Dieu va vous défendre. Dieu va intervenir dans votre vie. Ils vont avoir tous honte. C'est moi, je vous dis ça. Ceux qui se sont moqués de vous, ils vont avoir honte. En tout cas, je pense que l'Internet, là, est une chose, hein. Donc, ben, je vais laisser. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Bye.